des séries de bagages qui a passé nous-mêmes en dedans structure SPNH 17 côté que nous gardons nous ouais et nous mettez avis de recherche, nous mettez mandat derrière Mambou et même arriver à arrêter un ancien porte-parole nous qui c'est Adelson Gouneg. Et tout le monde est pénitentiaire, oui. Yon est pral, yon est pral. Yo pas même passé dans commissariat et qui tout près à parce que faut d'abord aller CM papa avec lui oui, entrer dans investigation pour faire une enquête préliminaire yo pas fait devant juge naturel fait passer devant juge naturel est-ce que qui ça reprocher ce bagage pour faire un avocat ensemble avec lui pour ça qu'on est ça reprocher là est-ce que lui aller dire avec lui il prend aller directement dans il pas le DCPJ non plus il aller directement avec lui non non pénitencier. Donc nous essayons tentative pour capable craser structure là et c'est gros point nous cap fait là pas gain rien qui cadré avec la loi avec principe qui a fait là. Nous gagnons combien membres nous qui gain mandat ou bien qui a nous gagnons 13 membres nous que nous mettez Interpol derrière yo. Parmi 13 membres ça un seul bagage reproché yo pour Udboa qui était mourir. Parmi tout le monde, ça a eu Carlo Santorex, qui c'est coordonnateur adjoint, qui n'est pas en Haïti depuis 13 février. Qui ça a reproché de lui? Également. Parce que l'entrée étrangère. Mais c'est ça, c'est un appendé. Qui ça a reproché? Pour qui ça, il mettait avis de recherche derrière elle? Pour qui ça, il a décerné mandat contre lui? Il frappait par mesure d'un également? Il frappait par mesure d'un. Et il va même là depuis 13 février. Et c'est un seul bagage peut-être. Udboa qui mourir. Yo vle comme si attribuer SPNH là avec Fantôme 609. Et Fantôme 609, nous est que c'est ça yo toujours fait c'est avec intention pour craser structure là, yo pas jamais attribuer SPNH avec Sinapoa. Pourtant, c'est SPNH qui te fait bataille qui fait Sinapoa exister, qui fait gagner l'autre structure encore qui est Anapoa, qui fait 609 exister également. Donc pour ça, c'est seulement Fantôme 609 qui est toujours attribué avec nous, il n'est pas attribué et Sinapoa ensemble avec nous tout. Parce que c'est nous-mêmes qui c'est Maman Liberté. Ya, ou bien est-ce que c'est parce que le fait que nous prenons l'initiative ça, nous prenons courage nous avec demain pour nous être capables et faire structure ça, mettre le camp en dedans la police qui c'est un syndicat, que vous pas jamais voulu, que vous pas voulu qu'il existe dans la police. Hein? Parce que le fait que le syndicat existe, c'est non à l'aise, monsieur, vous pas retirer. C'est tout ça qui a fait qu'il pas bon en dedans l'institution qui a retiré. L'idée le fait que le syndicat, bon bon bagaille que l'a dénoncé, tant qu'il y a une casse gilet qui t'a supposé police état de gagner avec un kit de matériel qui a supposé gagner pour le travail, les kits ça y est venu, ou bien les matériels ça y est venu, ils font l'autre bagaille avec, soit ils vendent non, avec sécurité, ou bien les gens qui ont compagnie sécurité, présence nous vini avec eux, parce que trois bagailles n'a pas dénoncé, nous ferons trois zones à Kalalou. Donc nous parlons pour qui ça, journée aujourd'hui, au lieu que si nous avons besoin de faire bagaille sérieux, nous n'avons pas de problème. Tu as cherché qu'on est, est-ce que en dans structure SPNH a pas gagné Fantôme 609? Mais ça m'a demandé une enquête approfondie. Et qui ça nous a fait nous-mêmes, de côté avocat nous? Nous voyons, nous avons mis Mani, nous avons tout avocat nous pour entrer mandat. Mais nous, monsieur, pas même voulait un mandat, il y a un marché pressé. Et deux fois, on a demandé tout, est-ce que ces policiers, effectivement, qui arrêtaient Adelson Gouneg? Parce que nous connaissons que les policiers, c'est des policiers consciencieux. Nous connaissons que Adelson Gouneg fait une bataille qui mène journée jeudi. Il a gagné 10 000 gouttes qui a ajouté sur sa carte. Et ça a défendu concerné nous. C'est pour nous toutes. C'est peut-être pour nous toutes, nous ne pouvons pas mourir mal. C'est peut-être pour nous toutes, nous capables de gagner ça qui revient nous de droit. C'est bataille pour bien-être nous toutes que liées. Je me demande, est-ce que ces policiers, effectivement, qui font arrestation ça? Parce que Adelson Gouneg, Li fin fait bataille là, li pas même gain chance bénéficier. 10 000 gouttes qui ajoutent aujourd'hui, elle va comprendre comment elle prend sous c'est arrestation moun qui fait lui alors que tu as un avis de recherche et c'est la police. Avis de recherche là, li pas chita sous rien. Parce que pour faire un avis de recherche de monde, faut gain des enquêtes préliminaires qui menaient. Faut gain des enquêtes, pas gain aucune enquête qui fait et à qui ça y appuie. Côté document à l'appui et feuille de route ça remettait en bas qu'on est qui n'ont rien que mettait comme et pour Interpol
et mandat de décerné. Côté qui ça qui prouve? On a dit 1, 2, 3, 4. Mais qui ça, mais qui ça qui prouve? Qui ça SPNH? Donc qui ça SPNH vini? Signe de solidarité avec policier épingléo et avis de recherche derrière et ça qui est en prison. Bon, SPNH 17, nous-mêmes nous croyons dans la loi, même nous croyons dans le principe, nous croyons dans l'institution, même les que nous institutions nous avons en défaillance, mais nous croyons là-dedans. Et ça fait que nous mettons avocat nous pour sous dossier, pour attaquer mandat, pour attaquer avis de recherche. Ça, c'est une. Et deuxièmement, nous-mêmes, en dedans, structure SPNH, qui là, pour capable de défendre l'institution, pour l'institution pas craser, pour que la population, lui-même, n'y pas des policiers qui ont fait abus, parce que c'est pour ça nous-mêmes, nous là, nous demandons, population haïtienne, qui peut batailler pour l'institution, ça lui même existé, pour être capable de camper, pour défendre l'institution. Nous demandons également, avec communauté internationale là qui tant investi dans institution ça près de 26 ans qu'a investi dans institution ça, est-ce qu'il a quitté la police à craser? Est-ce que c'est comme ça syndicat police dans la caillou eux-mêmes nous quitter au traité? Il faut que dire un mot sur ça. N'a demandé également avec OPC RNDDH j'éclairé qui eux-mêmes qui là qui pour défendre droit monde. Est-ce qu'il y a quitté gens qui a violé droit nous-mêmes qui sommes dans la structure SPNH? Il y a violé droit et policiers. Est-ce qu'il y a prêté compte à regarder ça qui a passé dans le pays là? On a demandé pour être capable de dire un mot. On a demandé également avec BINU qui représentait la communauté internationale là. Pour être capable de dire un mot dans ce qui a passé là. Ça qui a fait là, il n'est pas cadré avec la loi. Ça qui a fait là, il n'est pas chita sous principe. Et nous-mêmes, en dedans, structure SPNH, c'est le principe que nous-mêmes, c'est la loi que nous-mêmes nous gagnons comme symbole, comme modèle, c'est bagaille qui cadre, c'est nous gagnons, et je n'ai pas agi, c'est dans l'universalité, parce que nous toujours voulons agir, même genre, avec tout syndicat dans le monde-là, nous-mêmes, il faut fonctionner. Mardi, mardi, si Dieu le veut, mardi si je le veux comme tu gagné peuple était dans la rivière, il était dans la rivière jeudi là encore et policiers a pas accompagné et nous-mêmes mardi si je le veux si on pas lagué à Belson Gonègue n'a prend la rue tout nous pas sans casse nous pas pas bouler caoutchouc nous pas faire marche pacifique n'a demandé tout policier qui gagne conscience qui conscient de bataille qu'a fait là de Anderson Godet qui gagne 8 petites lui qui gagne 8 petites il choisit mettre avenue petite lui avenue pâle en jeu pour bataille ça n'a demandé pour capable venir en uniforme visage découvert pour prendre la rue pour dénoncer ce qui a passé là. On dit nous un grand merci et nous t'a dit plus toujours mais malheureusement pas de temps. D'accord. Merci en pile. Le 29 mars ça fait 34 ans où tu es président en commission dans niveau chambre député qui travaille sur un document et amendement son proposition et jodi an gagné exécutif là qui entre dans une démarche pareil mais avant nous aller on petit historique sur constitution 87 et dictature. Oui, et effectivement, nous connaissons qu'en 1987, si nous avons une perspective historique sur la Constitution, en 1986, Jean-Claude Duvalier quitte le pays, bon Conseil national gouvernement qui prend pouvoir, et premier acte politique qu'il a posé, il était écrasé à l'Assemblée nationale, qui était 59 députés à l'époque. Et dans la fin d'année, en octobre, il a monté une assemblée constituante qui a 61 membres là-dedans. Il a gagné à peu près une vingtaine qui était nommée par l'exécutif, donc le CNG, et puis il a gagné 40-41 qui était élu au même. Donc il a une assemblée nationale constituante qui était représentée sectorielle, représentée différentes, il a une représentativité géographique. Et il y a des personnalités tout de grande importance. Il y a qui l'a toujours. Ancien sénateur Renaud Georges était là. Nous avons collègue dans le 50e, Jacques-Michel Saint-Louis, Jacob Latortue. Et pendant que cité nos deux commissaires, il ne faut pas oublier tout l'autre député qui travaille avec moi autour, Louis-Marie Bonhomme, et Ronald Etienne Pestel, et Raymond Rival, Daniel Létain, et bien entendu, et Price Cyprien et Jacques-Michel Saint-Louis. Et donc, c'était un moment historique. On rappelait, parce que dans pile d'étudiants qui ont écouté nous là, que c'est le 10 mars que Moniteur a sorti. Mm-hmm. Mais c'est le 29 mars que l'Ibral a ratifié par une imposante majorité. Donc, Haïti a une nouvelle constitution. 34 ans, j'en dis là, 34 ans de tribulation, 34 ans de misère, 34 ans de problèmes.
côté que plusieurs dirigeants et ils ont utilisé le l'air voulu, ils ont pas utilisé le l'air pas voulu. Oui. Et je dis si encore on a parlé de questions constitution, c'est qu'en quelque part et un problème puisque constitution c'est Baptiste pays, c'est lui qui décide, définit et comment pouvoir et fonctionner l'une par rapport à l'autre. Donc voilà, grosso modo, c'est ça. Et on a dit que tu as une personnalité importante, Louis Wa, et qui a un leadership à l'Assemblée constituante. Oui. Ça. Et là, ça parce que tu as des personnalités qui expliquent confiance. Mm-hmm. Tu es petit, un ancien président, qui dit même ton docteur qui fait un pile social. Donc toutes conditions étaient réunies pour que l'Assemblée ça ait fonctionné. Et on n'est pas capable de dire, et dans la transparence, la plupart fait, on a changé tout, que le débat était public. Tout le monde était attendu au cap parler. Donc, c'est un exercice intéressant qui marque l'histoire d'Haïti. Donc, je dis là, un peu le monde croit qu'il faut que gagner par semaine, il y a un monde qui parle des amendements, il y a l'autre qui parle de une nouvelle constitution. Quand on s'est tué ou même. Bon, nous connaissons que Padam était président en commission spéciale qui a travaillé sur la question de la constitution, bien là plusieurs fois. Et le premier monde qui a d'accord avec nous et qui toujours dit que la constitution a besoin de passer main là-dedans. Et c'est moi-même serviteur d'Héritage Dieu. Ça veut dire que le premier document que la commission a produit, son document qui était pour titre Constitution de 1987, et irritant faille, lacune et faiblesse. Il était identifié tout problème qui gagne dans la Constitution et c'est lui-même qui était servi de base pour nous faire un capable de dire, un dialogue, une consultation avec tout le secteur vie nationale là, pour nous connaître qui ça a gagné dans la Constitution, comment est-ce question Constitution. Parce que nous avons mis comme condition, par les choses de Chancy, président Chamblan à l'époque, que la commission a dû d'abord pendant un an et parler avec le secteur vie nationale là, avant qu'elle fasse proposition d'amendement, parce que 9 députés ne peuvent pas chiter dans la chambre dans le Parlement et puis ils pensent qu'ils sont capables de légiférer ou bien de parler de constitution. Ils ne peuvent pas légiférer, ils ont le droit à ça. Mais question constitution, moi, donc consensus sociétal, national et même au niveau de la diaspora. Donc, moi, d'accord. Que constitution besoin de passer mais la donne. Cependant, c'est le premier monde qui a dit que constitution pas mal comme ça. Et malheureusement, nous avons qu'à sauter devant et nous sommes capables de dire processus et que Jovenel Moïse a adopté pour l'Allemagne maman loi pays. Moi, je pensais que nouveau constitution Jovenel Moïse voulait et passer à là, imposer nous là. Et dans Jean Yofel là, et dans ça, il la donne. Pour le mettre nous plus loin de démocratie que plus près. Pour le mettre nous en pile instabilité. Et jeudi, 29 mars 2021, son plaisir pour me débattre avec nous et de processus là, que je pensais qu'il y a un problème la donne. Et certainement tout de plusieurs articles que la donne qui va être sauté. On était dans le processus là. Mm-hmm. Processus là, donc c'est. Comment t'es de fait? Bon, en général, il y a deux gens. Et ou adopte une nouvelle constitution. C'est sous sautant la guerre, un pays ravagé par la guerre. Et puis, société après la guerre dit la pouvons l'autre chapitre dans le livre existence. Ou bien tout, il est capable de grosse catastrophe naturelle, il est capable de sortir d'une dictature. C'est-à-dire, pays a sauté passé dans le régime Boudou et puis il dit à passer à la démocratie. D'ailleurs, en Haïti, en Haïti, nous avons une histoire de bataille entre les gens qui pensent qu'ils ont besoin de constitution libérale et les gens qui pensent qu'ils ont besoin de constitution autoritaire. En 1806, nous avons une constitution libérale. En 1816, nous adoptons une constitution autoritaire. En 1932, nous avons une constitution libérale. En 1935, sous Vincent, nous adoptons une constitution autoritaire. Et puis près nous là, Duvalier a une constitution autoritaire en 1964. Et en 1987, nous avons une constitution libérale. Il y a toujours une bataille entre ça dans la société qui voulait une constitution libérale. Ou en constitution autoritaire. Ça veut dire que débat sur constitution pas étranger à pays d'Haïti. Sous 200 ans d'existence, nous avons plus que 22 constitutions que nous adoptées. Nous-mêmes, nous avons dit que y a un processus qui pour assurer nous que nous avons un moment loi pays qui codium, qui reflète la volonté nationale là, d'abord et avant tout, il faut que son processus participatif, inclusif, légal et constitutionnel. On a regardé là, Jovenel Moïse choisi un comité 5 membres qui préparait un avant projet de constitution et il dit nous qu'elle pourrait chercher légitimité après. Donc dans un premier temps, il faut me dire que c'est des contrats toujours faits. C'est-à-dire une assemblée représentative qui propose un texte et qu'on y a qui pourra le valider. Un. Deuxièmement, il dit nous c'est CEP qui là, qui pourra le faire un référendum pour
légitimer travail commission ça. On sait puis ça a monté dès de la loi. Il n'est pas prêté serment devant pour cassation, il n'est pas le fouille, il n'est pas sorti dans le consensus national de politique, et puis il a arrêté ou bien décret qui bat nous route pour nous faire référendum illégal ça. Il dit nous que nous devons voter avec carte d'identité, passeport, carte de maloc, carte mathématique, parce que vous connaissez que nous avons un problème de carte électorale. Ça veut dire que nous entrons dans un bagage extrêmement difficile, extrêmement problématique, et nous t'arrêtons. Sensibiliser tout le monde que position que m'a prend là c'est pas une position partisane, c'est une position citoyenne, c'est une position qui campait par rapport à en appartenance idéologique, il simplement campé sous base ça nous relait la loi et la réalité politique actuelle. Donc processus là guerrier, son processus qui malheureusement pas inclusif et participatif, ça veut dire que quel que soit valeur texte là, processus dans lui-même, Jean Montréal, il pourrait contaminer tout reste ça qui jusqu'à ce que jodi nous obliger lancer un cri d'alarme pour nous dire attention, il y a un problème, parce que là, on a parlé de constitution, on a parlé de réflexion sur les 50 et 100 prochaines années. Et on dit, on a les gounia dans ça qui en dans document ça, en tout cas proposition que, qui est déjà faite là, ou l'île déjà, qui est différent de ça nous-mêmes dans le niveau commission dont tu es présenté à Nation, après, si tu as parlé de faire avec différents secteurs. Bon, il y a un pile de monde qui remarquait que il y a plusieurs similarités entre texte et comité et consultatif indépendant et commission comme tu as présidé. Même si vous faites très attention. Il y a une constitution d'abord, guerrier, c'est une philosophie. Une philosophie qui est toute réforme constitutionnelle. Qui derrière toute nouvelle constitution. N'a dit que constitution 1987 a été un souci et de solidifier la démocratie, il était un souci et notamment capable de décentralisation, et c'était une constitution qui était fait toute celle capable pour les banons des libertés fondamentales que nous avons perdu pendant longtemps. Constitution américaine, c'est une constitution, l'organe philosophique, c'est la recherche du bonheur. Et nous-mêmes, dans la commission que nous avons présidée, nous avons une philosophie qui marie avec trois piliers. Nous devons rééquilibrer les pouvoirs, nous devons responsabiliser le président, et nous devons renforcer l'État et les institutions. Ça nous relie les trois airs. Malheureusement, nous sentons que le texte que nous mettons devant nous, nous avons danger la donne parce que nous risquons déséquilibrer les pouvoirs, les risquer déresponsabiliser le président et les risquer déstructurer l'État. Et rééquilibrer les pouvoirs, c'était ambition nous, parce que nous estimons et nous conscients que la Constitution 1987 a mis trois pouvoirs dans le Parlement. Tout à fait, tout à fait. Nous avons besoin de rééquilibrer. Ça veut dire que nous devons assurer nous que la démocratie haïtienne m'a connu avec trois roches du feu, qui c'est trois pouvoirs, législatif, judiciaire, exécutif. Nous t'es plus pour une certaine correction de la constitution de 29 mars 1987, mais aller pour venir changer en profondeur, Jean Appel là, c'est pas de ça, nous-mêmes nous t'espérons. Ou à bien avancer, parce que si nous-mêmes nous t'avons velléité pour nous rééquilibrer les pouvoirs, nous remarquons que le comité ça lui-même nous avons velléité pour déséquilibrer les pouvoirs, parce que nous prenons tout pouvoir et nous retirons dans les judiciaires avec législatif, et vous voyez tout vers l'exécutif. Ça a préparé là son principe. Par exemple, écoute, c'est très très simple. D'abord, le pouvoir législatif est réduit à sa plus simple expression. Il y a crasé le Sénat. Il y a une Assemblée nationale formée de députés. Députés, ça, il y a plein de nombre réduit, puisque il y a une velléité, il y a une volonté, il y a une ambition pour faire des nouvelles circonscriptions électorales qui sont basées sur taille population. Ça veut dire qu'on est obligé de jumeler 2, 3, 4 communes pour faire l'autre circonscription électorale. Ça veut dire qu'on pourra gagner moins de députés qui ont moins d'attache avec les communes. Et le Parlement, à travers ça, a proposé nous. Longtemps, à travers la Constitution 1987, le Parlement était capable de légiférer sur tous les thèmes d'intérêt public. Là, il a spécifié des thèmes côté Parlement qui doit intervenir. C'est très, très grave. Ensuite, le président lui-même, il a quasiment une immunité totale.
si ma pli article 139 proposition que vous faites nous là, vous dites qu'aucune action ne peut être engagée contre le chef de l'État pour des actes liés à ses fonctions et accomplis en qualité de président de la République et même après la fin de son mandat. Et en plus, bon gravissime qui constant, je dis, toute décision ça va prendre, vous mettez le Parlement dehors. Pas de aucun consentement ou bien pas chita, non. Le Parlement existe même avec un seul sénateur. Comment ça? Côté député, yo. Ça veut dire que ou capable de arriver dans le cafou qu'on arrive en dysfonctionnel, mais ça ne veut pas dire que les doué bébé dans sa cap fait là avec avec tiers qui était, il était doué qu'impliquer là-dedans ou pas implication du tout de là-dedans. Donc c'est ça qui renforce l'inquiétude population a davantage son pareille initiative définitivement. Et si nous continuons dans le sens qu'on a bien avancé, n'a dit que nous garder déséquilibre, ça son déséquilibre et qui mettait tout pouvoir dans main un président et qui quelque part et pouvoir judiciaire là tout le mettait de côté. Qui Jean, nous prenons un exemple très simple, pas qu'un droit de citer sous nomination des juges, nous prenons le pilon encore la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui sont organes importants puisque n'a gardé ces redditions de comptes qui est important leur fait pays moderne, ça veut dire l'argent l'État faut qu'il contrôle et qui s'en remarque même dans la composition. C'est quatre membres nommés par le président de la République désormais selon cette proposition et c'est cinq membres nommés par le président de l'Assemblée nationale qui lui-même très vraisemblablement a sorti non parti majoritaire qui mettait président. Ça veut dire qu'il a gagné contrôle absolu. Donc tout ça yo ba nous qu'est sauter et montrez-nous que président, pas seulement président, exécutif là, parce que même immunité ça que vous prévoit pour président, vous prévoit pour les ministres et secrétaires d'État. Donc vous créez un bon petit bon Dieu qui après le diriger nous, qui doit faire ça vous voulez et qui n'est pas responsable devant la nation. Alors que. Non seulement petit bon Dieu, des nouveaux riches, des nouveaux millionnaires. Alors que Bob C, nous-mêmes dans la commission, nous sommes très très clairs. Nous avons velléité de responsabilité le président. Parce que comme la Constitution 1987 l'a été fait paraître comme mineur, il toujours a pleuvé de mille pour dire pas responsable, même si c'est lui qui a fait cap des faits, nous-mêmes nous t'ai dit que le président de la République est passible des tribunaux de droit commun pour tout crime corruption que le commet et nous devons poursuivre pour crime financier ou bien pour gabegie l'obéir administratif que l'État commet dans l'exercice fonction. Donc regardez bien guerrier philosophie qui anime le monde qui écrit texte, les fondamentalement différent de Panouan, hein, puisque au fond, nous pas senti en volonté de rééquilibrer les pouvoirs, de structurer l'État et de renforcer les institutions et aussi de responsabiliser le président de la République. Donc nous-mêmes, nous pas proposé pour qu'on ait éliminé le Sénat. Non, nous pas proposé ça du tout. Nous-mêmes, problème, c'est pas Sénat. Problème, c'est pas Parlement. Moi, toujours à faire bataille. Moi-même, serviteur, moi, écrit un livre qui relève dans l'enfer du Parlement. Ça veut dire que si on nèg qui comprend tout problème qui est dans le Parlement, c'est moi-même. Cependant, moi très lucide, réaliste pour comprendre tout que le Parlement est une institution li, et que l'important dans la démocratie qu'on veut construire, ce n'est pas problème. Parlement gagne, c'est problème peut-être parlementaire que nous votons. Un groupe parlementaire qui n'a pas fait face à la responsabilité. Utilité, bon, c'est-à-dire, sous-questionner l'utilité au Parlement, c'est qu'on ne peut pas comprendre comment la démocratie a fonctionné. Parce qu'un Parlement ne vaut que par la qualité de celles et ceux qui y siègent. Qu'on est effectivement, si vous avez un bon parlementaire qui ne comprend pas l'attribution, vous avez un problème. Mais pas oublier, là, on a parlé de nouvelles constitutions, on a fait une projection d'avenir. Ça va toujours comme ça. Bonjour, jeunes yo qui n'est IHSE, qui n'est Notre-Dame, qui n'est Kiskeya, qui n'est Université l'État, qui travaille, qui a étudié, qui a pris expérience, n'a pas gagné des parlements qui à la hauteur de responsabilité. Donc nous-mêmes, nous t'ai dit, c'est pas tant le Parlement le problème, c'est de voir comment nous t'es capable de réagencer les pouvoirs, rééquilibrer les pouvoirs. Assurez-nous, par exemple, que pas gagné espace que ton parlementaire gagne droit, les premiers ministres désignés, à négocier l'argent battable pour les vémons ou bien pour pas les vémons. C'était ça, souci, nous. C'était favoriser la gouvernance, favoriser la transparence, intégrer la diaspora. C'était ça qui était souci, nous. Et nous-mêmes, nous pensons que, de point de vue philosophique, position nous c'était essayer ouais comment nous cap bâtir à partir de constitution que nous avons là pour nous préserver des acquis qui ça des décentralisation, droit de l'homme,
démocratie, liberté de la parole, liberté de s'exprimer, en pile dans ça dans le texte que nous avons là. Mais d'un point de vue général, nous sommes capables de dire que velléité ça que nous prenons tout le pouvoir maintenant dans l'exécutif là, à mettre plus loin que la démocratie que nous avons bataille pour lire. Et donc, président lui-même, en tout cas, Jovenel Moïse, lui, continue à avancer dans la démarche liant. D'ailleurs, il y a une installation qui est faite dans Jacmel, dans Okaï, et Mambedio, Mambekio. Donc, je dis là, à qui ça nous attend nous? Est-ce que, ou quoi que vous côté, la privée, la bloquer? Moi-même, moi, qu'on est en conjoint, Mouya, que tout passage en force, toute politique du fait accompli, laisser des questions constitutionnelles à parler, pas prêt bien loin. La durée un an, la durée deux ans, la durée trois ans, mais le pape jamba nous, constitution que nous avons cherché, qui a une stabilité pour nous capables de faire pays, pour nous répéter l'expression. Nous-mêmes, nous regrettons que peut-être l'ancien président Jovenel Moïse n'a pas pris exemple sur Yomunta Kupinera, qui est président chilien, et bon, 20 et contestation qui soufflait sous le Chili et qui sa peuple a demandé, il demandait de changer constitution. Ah oui. Qui ça le fait lui-même, Bob C? Monsieur est à l'école, monsieur dit, bon, comme président de la République, il est au-dessus de la mêlée. Et puis il remet société civile avec parti politique, responsabilité pour faire réflexion sur constitution. Constitution. Constitution, c'est comme ça pour lui. Les gens ont gens pour le faire. Les grands présidents qui marquent l'histoire, c'est pas. Combien l'école a fait, combien de kilomètres ont construit, combien et centrale électrique fait. Non. Ces capacités ont gagné pour mettre le pays à sous rail. Et on est comme Nelson Mandela, qui est une grande figure historique qui gagne. Pour qui ça le passe comme un grand président? C'est parce qu'il était élevé au-dessus de la mêlée. Et puis il était bataille pour faire réconciliation nationale. Il était bataille contre l'apartheid. En monde tant que Jimmy Carter, je dis, il n'a pas changé comment l'école est construite ou bien comment route qu'elle fait. Mais il a changé qu'il était bataille pour les droits de l'homme et de la démocratie. En monde tant que Mustafa Kemal Atatürk, le président de la Turquie, il n'a pas changé un bon petit détail. Est-ce qu'il débat, est-ce qu'il y a quelques boulons, il met dans quelques machines ou bien quelques moteurs. Non! Il a changé Mustafa Kemal Atatürk comme un monde qui fait la Turquie rentrer dans l'ère moderne. Donc tout ça, yo, c'est des exemples qui montrent nous que la constitution n'est pas capable d'apanage la décision et de un monde. D'ailleurs, toute pile qualité problème que nous avons aujourd'hui, ben, c'est un monde, un parti politique, pas capable de prétention pour le penser pour nous tous. Ceci étant dit, je ne pas rejeter de revers de mes propositions. Je vais juste considérer comme position Jovenel Moïse et sa famille politique. Pour arriver un jour, côté nous avons une grande table de discussion sérieuse, organisée, disciplinée, côté nous capable de venir et puis faire valoir point de vue. Et parce que nous avons une place sous table à tout. Et c'est le ça vraiment que nous allons parler d'une constitution qui engage le pays pour les 100 prochaines années. Café arrive VDP, on est ici, nous avons une femme. Nous avons prendre 6 créoles, j'en observe vous là. Est-ce que vous avez un sucre? Nous avons un café à sucre, mais non, il y a un café. Suzette, pas mettre votre sucre là-dedans. Nous avons un prendre un nano Suzette. Suzette, et cousine moi. Et cousine nous? Petite Grenvée. Ah, oh, Grenvée. C'est Grenvée. Petit paradis. C'est Grenvée. Et puis nous avons un café. On va mettre l'autre café. Beaucoup prennent café à Grenvée. Parce que nous, si avec des ménages, mangeons là, on prend un cabrit, nous devons. Et si café à bon, nous avons un cabrit là, mon cher, ou bien nous avons un tous les jours. Je veux dire, parler de nouvelle constitution et nous connaissons un président qui, que c'est René Préval ou Jovenel Moïse, remettait en question constitution. Ça, il a été monté sous lit. Est-ce que problème avec raison, est-ce que problème dans son problème constitution véritablement ou bien un problème d'application? Les deux. Même toujours dit, fond très prudent. Est-ce que c'est constitution qui fait, je dis, à un petit point et l'argent payé en main et puis fort dans la population à vivre dans ma cité. Non. Est-ce que ces constitutions ça ban au village de Dieu avec toute inégalité qui est là dans nous? Non. Est-ce que ces constitutions ça qui fait que nous pas nous assemblée constituante? Non. Ah oui. Est-ce que ces constitutions ça qui fait que nous pas ramasser fatra? Est-ce que ces constitutions ça qui fait que un propre haïtien à vivre dans ma cité? Est-ce que ces constitutions ça qui fait que un bon jeune garçon, un bon jeune femme, d'ailleurs, fin étudier, il a la guide des bras pendus dans la ria, il a fait domino à midi, il n'y a pas de possibilité pour aller travailler? Non. Il est clair que le problème est beaucoup plus. Cependant, pour changer le système, pour changer le pays, il faut assurer qu'on modernise le fonctionnement de l'État. Qui j'en pour faire? Seulement à travers un amendement, une réforme. Constitution. Moi-même, moi suis capable de dire que la Constitution a un pile problème là-dedans. Mais il y a quelques exemples récents. Nous vivons ça pendant 4 ans. Mais on est est-ce que nous avons une crise que nous vivons là-là? Il y a une série de monde qui est allé à l'article 134.1. Il dit
et Jovenel Moïse président. Est-ce que la réalité, c'est que Guillaume article dérogatoire 134.2 qui clairement dit le contraire. Tout ça, yo, c'est des problèmes qui dans la Constitution. Qui pour Allemagne, il y a des articles pour nous, il y a des définitions pour nous changer. Mais il y a que nous ne pouvons pas retirer tout. Bon exemple. Pour qui ça pour me retirer que l'armée d'Haïti est apolitique? M'a prouvé route pour n'importe qui apprenti dictateur dans 20 ans, dans 30 ans, demander l'armée d'Haïti prêter allégeance au pouvoir en place. Pour qui ça pour me retirer l'article qui dit que Haïtien pas besoin de visa d'entrée et de sortie? Ou car elle paraît logique. Mais c'est par hasard, on prend un exemple. Ça, on prend des exemples par hasard qui en dedans proposition constitution Jovenel Moïse. Oui, mais dans la nouvelle constitution, l'armée est toujours apolitique. Non, il a retiré l'article qui était dans la constitution 1987 qui était dit que l'armée est apolitique. Il n'y a pas de nouvelle constitution. Et ça m'a dit, il y a des omissions, il y a des soustractions. Dans la proposition. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous avons qu'à sauter sous ça. Bon époque où sont opposants politiques, il faut nous monter, il faut nous descendre. Pour sortir, descendre. Et Haïti. Donc nous-mêmes nous disons, faut projection d'avenir, faut nous préparer pour les 50 et 100 prochaines années. Donc tout ça, le culte de la personnalité, il est retiré. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'un président qui a une folie grandeur, qui a droit à n'importe quel moment décider que tout le lycée dans le pays a porté non, ou bien il y a les lycées Pérennel ou non. Donc tout ça, il y a guerrier du sol, nous qui a sauté. Et nous-mêmes nous disons que aujourd'hui, nous n'avons qu'à fou côté que tant sur le fond que sur la forme, ça veut dire que nous avons voulu faire là, à ça, nous voulons mettre là dedans. Il y a une nécessité pour nous tirer la sonnette d'alarme, pour nous dire attention, danger, si nous avons fait pays, si nous pas de constitution, il y a deux bagages qui sont importants. Projection d'avenir sérieuse et une participation tout secteur représentatif vie nationale. Merci un peu, j'ai été adieu. Merci. Matin, merci beaucoup. Avec nous. Plaisir partagé. Plaisir partagé. D'accord. Oui. Merci. Merci pour le café. Hein, ah oui, oui, oui. Le wap fin boueli et puis on a toujours les nous. On a marché contre eux. Parce que le café, ça a les goûté par l'estrée. Si c'est tu es là pour là, Gaudia. Ok, d'accord. On ça va bien le protocole pour contre. Comme ça, nous boue café. Oui. Le protocole là, même vous côté l'embarras, c'est nous net. Même dans boue café, à tout protocole là, vous pouvez être là. À demain pour nous boue, demain. Les avancées sur nous presque arrivés dans l'heure pour une équipe sport là, oui. Mais ben nous recevons SPNH donc passer là et pas de parole là. Oui, Domon Sensi, bonjour Pierre-Renel René, bonjour Guerrier, bonjour Bob C. Non, Guerrier c'est bon ici, pas ici. Oui. Bon. Et bonjour avec député Akila et nous dit bonjour avec auditeur auditrice et Caraïbes FM. Matin de passer là, c'est pour nous capables de dénoncer.